Ça se présente bien. Ça va, il y a une bonne équipe, tout le monde travaille bien, tout le monde donne le meilleur. C'est la première fois qu'on a autant de moyens pour faire notre pochette. On est content, c'est bien, c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on espère que ça va bien rendre, mais ça le fait. En fait, c'est tout un concept qu'on va retrouver. C'est la pochette, ça va être une porte de salle des coffres à notre effigie avec le logo du groupe. Et en fait, ça symbolise une salle des coffres où on vient récupérer nos biens, c'est-à-dire nos lyrics, nos disques d'or, nos masters, nos bands, tout ça. Voilà, il y a aussi un peu la symbolique. Ça fait longtemps qu'on n'était pas là et on découvre, ça y est, on sort tout ce qu'on a. 2005, où ça passe, où ça casse, si ça peigne, ça rase. Je me mets bien, je vais péter le X5. Tu trouves que le chant de nos vies ne sonne pas juste? Mets ça sur le compte à la société ou au vodka russe. Au tournant de ma vie, si par malheur je me rate, mes ennuis me rattraperont et mes ennemis ne me rateront pas. On lésine pas sur les moyens, on met tout ce qu'on a. Parti de rien, on est tout ce qu'on a. Faute de mieux, on sait ce qu'on tente de peu. On fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Ce rap, c'est tout ce qu'on a. Ouais, nous on est croyants, tu as vu, c'est notre truc, c'est comme notre bébé. Tu as vu, on a mis un an à le faire. Maintenant, c'est aux gens de trouver l'album. J'espère bien comme nous on l'a fait, comme on est arrivé à bout. À sa maturité pour pouvoir le sortir, sinon jamais on aurait sorti quelque chose dont on n'aurait pas été fiers, tu vois. Donc vraiment, ouais, on est hyper contents, tu vois, sur tous les titres, sur Marginal, sur Les yeux de mon frère, sur tous les titres même de l'album, on est hyper confiants. Tous entre nous, on en parle. À chaque fois qu'on se recroise, à chaque fois qu'on se voit ou qu'on part en promo, c'est toujours la même, tu vois. On n'a pas encore beaucoup écouté, là, c'est une des rares fois où on l'entend, mais ça a été le cœur. Et j'espère le réécouter quand il va sortir, ça sera mieux encore. J'en ai vraiment rien à foutre, je crois en ma juste cause. Les mecs comme nous ça s'arrête pas, ça marque juste une pause. On vise le top, wicked, big up mon équipe. Comme la bande des microbes, c'est attaque soviétique. Du son pour les postes et les hip-hop. Pendant que ta bande de trous du cul discute de l'état de santé du hip-hop. On attaque Mike en main, mets ton rap à quatre pattes. FF, bang, bang, ratatatata. Ça fait 4 ans qu'on n'avait pas fait d'album là. Et on a trouvé 2 ans dessus et on voit vraiment qu'on est au bout d'une aventure parce qu'on commence à faire les photos, une autre commence, donc super content du résultat et j'espère que les gens vont le ressentir. Et, ouais. Ce que je retire de cet album, c'est que ça dit des choses, tu vois. Après, musique, style, ils vont nous casser tout ça. Ils vont nous casser, il y en a qui vont aimer, il y en a plein qui vont nous casser. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça dit des choses. Après, t'aimes ou t'aimes pas, peu importe. Et je pense pas qu'ils vont être indifférents. Je prends chaque jour comme un cadeau, comme l'occasion de trouver la future mère de mes enfants. Je me lève avec la rage, je m'endors avec. Je rêve d'être mieux, je rêve d'être sage. Et d'un beau jour pour faire mes adieux, j'ai vu ce qu'il fallait pas voir. J'ai entendu ce qu'il fallait pas que j'écoute. Parce que j'ai cru à ce qu'il fallait pas croire. À force de vouloir trop bien faire, je suis même plus moi-même. Trop de mal à être humain, à faire confiance, à tendre la main. Après le dernier album du groupe, à savoir Art de Rue, j'ai fait un album solo. Donc ça m'a pris un peu de temps. Pendant ce laps du temps-là, je me suis un peu mis en retrait, je me suis un peu écarté histoire de pouvoir travailler sur ce projet-là. Puis ensuite, une fois que j'avais terminé, j'étais prêt pour reprendre le travail avec le groupe. Dès qu'on a décidé de se remettre au travail, j'ai travaillé d'arrache-pied, quoi. J'ai écrit tous les jours, j'ai fait des musiques, j'ai essayé d'apporter tout ce que je pouvais apporter au groupe parce que vu que c'est pas tous les jours qu'on fait un album ensemble, autant donner tout ce qu'on a, autant aller à fond, et histoire de ne pas avoir de regrets, histoire de se dire qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes et que de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux que ça. Tout le monde sait qu'on est très proche de notre ville, on y habite tous, voilà, donc c'est comme ça. Et les gens nous le rendent bien, donc j'espère qu'ils ne vont pas être déçus, j'espère que toute cette attente-là n'aura pas servi à rien et que quand ils vont l'écouter, ils vont se dire que ça valait vraiment le coup d'attendre et que voilà, une fois de plus, Funky Family les représente au mieux.